Salut tout le monde, Tarin Saisi ici. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vous montre 10 raisons pour aller suivre Tarin Saisi sur Twitch immédiatement. C'est la version Warzone. Raison numéro 1, Tarin Saisi abuse les bots. J'ai dans un. J'ai dans deux. Là, je me fais tirer dessus. Oh my god, j'ai franchement abusé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux on des noobs. Par contre, je suis pas du calibre des gros streamers, étant donné que j'utilise pas encore de hacks pour l'instant. Oh my god, dagger! Oh! Oh ouais, sérieux. J'ai down. Est-ce ma première ou pas? Oh my. Raison numéro 2, t'as rien saisi et ultra utile dans l'équipe. Il y a du monde là-bas, je ping. Toujours prêt à cover mes teammates, toujours up pour un revive dans n'importe quelle condition. Je te revive pas. Moi je push. Solo. Toujours du travail d'équipe. Raison numéro 3. Tarin Saisi ne camp jamais. En passant, ça c'est pas camp, c'est temporisé. Je camp la porte. Oh my god. Raison numéro 4, on n'est pas des putes. Si t'as déjà joué à Warzone, tu sais qu'il y a des gens qui passent l'entièreté de la partie cachés dans le coin d'une pièce. Nani? Omae wa mou shindeiru. Yo, c'est fils de p*** de camper! C'est lâche comme façon de jouer. Moi et mes teammates, on joue pas comme ça. Si t'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, mauvaise nouvelle pour toi. Raison numéro 5. T'as rien saisi un gros IQ. Ok. J'entends les bruits, donc pre-shoot. Patience. Rotation. Ici, un petit mouvement. Crisp. Encore un mouvement. Après, c'est du aim. Oh, get the fuck out! Ça, c'est un big brain move, no cap. Raison numéro 6. T'as rien saisi. Gagne tous ces goulags. En fait, si je suis au goulag, tu peux conserver ton argent pour le loadout. Parce que c'est presque certain que je vais revenir. Les seules exceptions, c'est quand ça bug. Et tu peux voir ici, ah, cette journée-là, je buguais tellement. Ma connexion était trop mauvaise. Raison numéro 7. Il y a du monde qui rage dans le stream. Oh my god. J'ai plus goût de jouer. Parce... Oh shit. Les trash talk ou les hot mics, c'est toujours drôle. Motherfucker! Raison numéro 8, t'as rien saisi est très convenable. Je sais pas, il pensait courir où, genre. Il est juste trop nul à chier, il est juste nul à chier. Tu peux pas me test, là. Bah, on peut monter par là-dessus pour moi, ou pas? Je les ai lavé le plancher avec eux, là. En fait, ça veut juste dire que le stream, il convient vraiment à tout type d'audience. Camper de merde de pute, man. Je peux pas call ça. Si je rentre dans la maison, il y a un gars sur moi, Deux secondes, bro. Je me suis retourné, 360. Yo. En plus d'être poli, on est modeste, on se pense pas bon, on est pas des douchebags. Yo, j'ai dans le deux team white, sniper, headshot, deux shot. Je suis littéralement un hacker, là. Mets ton shield. Pas besoin de shield. Team white, mais je suis trop bon à ce jeu-là. Raison numéro 9. Tarin Saisi aime l'action. What the fuck, man? Y'a ça à travers, là? Y'a un gars que j'ai mis down ici. Ah, son boy arrive. Ça veut dire qu'on drop souvent à des endroits où y'a plein de gens, pis qu'il faut fight pour un gun, comme dans l'extrait suivant. Oh, ouais, t'as dead. Oh, y'a ça un gars devant moi? Wow. Je suis capable de tuer un gun. Bitch. Derrière toi.
shit. Okay, I've got you. Baba boy. No! Oh, God! Yeah, behind, nice. Deep breath, you'll be okay. Attends, attends. La série sur le bateau. Ouais. Finalement, raison numéro 10, c'est qu'on a des conversations intéressantes et surtout instructives. Du halo, genre? Du halo, genre? T'as pris quoi? Un double de dev, là. Petite collation. Là, après, tu parles comme ça, j'aime pas ça. Mais... Je veux dire, pourtant, c'est gros, là, moi, je vois. Non, je mange plus que tout le monde ici dans ce palais. Comment est-ce qu'on... C'est gros, ce travail-là, fucking fréquenté. Ouais, la grosse merde, là. Ouais, la grosse bitch, là. La grosse vache, là. Hop, là, je l'ai vu parce que j'avais un rabais de dehors. Sur l'application. Il reste 10 minutes à commander quoi en arrière de moi. Non, dis n'importe quoi, tu vois que j'avais 2$, je donne au gars. Là, les gars, ils comprennent rien, c'est sa première journée. Je l'attends déjà depuis longtemps, c'est chill. Puis là, après, puis là, c'est la grosse vache qui arrive. Puis là, elle me regarde, fucking crush, elle est comme, tu moi, je peux voir? Je suis comme, ouais, tu fais tant la machine, elle a lâche. Ouais, elle, ça se voit. J'ai checké, j'étais genre, what the fuck? Elle, c'est une grosse vache, elle est trop belle. Ouais, elle était peut-être sa job. Alors c'est déjà tout pour la vidéo, merci d'avoir regardé. Si tu t'es pas encore abonné à mon Twitch, va le faire live. Non mais sérieux check, je vais même le mettre dans la description. Je vais même le mettre dans la description juste pour que ce soit plus facile. Comme ça tu peux juste cliquer et t'abonner. Mais sérieux, si t'abonnes, j'apprécie vraiment. Oublie pas de laisser un commentaire, me dire qu'est-ce que t'as pensé de la vidéo. Mais surtout, oublie pas de t'abonner à mon YouTube aussi. Parce que j'ai une autre vidéo qui s'en vient, un autre top 10. Un décompte de mes plus gros outplays. Donc si tu veux voir ça, quand ça sort, faut que tu t'abonnes. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'apprécie. Ciao.